Yo tout le monde, c'est GhostKillerZoran, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost. Donc je suis accompagné de plusieurs personnes, donc de 4. Donc c'est SMS, Tiger et Laminos je crois, et Atomic je sais pas quoi. Merci à eux pour de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Donc c'est avec une double KVM plus 5 KVM donc en équipe. Moi j'en mets 2, Atomic va en mettre 2 aussi. Puis comment il s'appelle, Tiger va en mettre une, mais il va pas réussir à mettre la deuxième, donc voilà, dommage pour lui. Et GG Atomic, donc 5 KM avec 4 joueurs, donc dommage à SMS qui en a pas mis, mais qui nous a bien couvert et qui a pris les positions, je le remercie aussi. Donc faut savoir aussi que Atomic, je crois qu'elle a fait sa KM, sa double KM en soutien, donc vraiment gros GG. Puis voilà, donc je vais envoyer cette vidéo à la chaîne communautaire de Code QG. Donc j'espère qu'ils l'ont upload et je les remercie d'avance. Donc j'avais déjà essayé d'en envoyer plusieurs des doubles KM à Code QG, mais sauf que j'avais dû foirer mon commentary parce que je devais dire ce qui allait trop se passer. Par exemple quand j'ai shooté quelqu'un, voilà, donc lui je l'ai tué, voilà, tu vois, faut pas faire ça. Et j'avais oublié aussi une fois l'intro de Code QG, il pouvait pas m'upload, donc c'est dommage. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo-là sera upload sur Code QG. Je la remercie d'avance. Cette vidéo-là paraîtra peut-être aussi sur ma team performance, donc la team for the win. Donc vous pourrez peut-être la voir, je mettrai peut-être dans la description cette chaîne-là. Donc voilà. Donc revenons au sujet. Donc le sujet de cette vidéo, ce sera les casques gaming sur Call of Duty Ghost, sur les Call of Duty en général. Donc je vais vous parler d'abord de ce jeu là qui est vraiment basé sur le son. Donc par exemple avec amplification et tout, qui est vraiment très très cheaté, vous pouvez entendre un ennemi de vraiment très très loin avec cet atout là, et avec certains casques encore plus. Après il y en a qui ont juste des casques pour avoir le son du jeu, mais qui peuvent pas vraiment percevoir d'où viennent les bruits de pas, tout comme ça. Donc nous allons parler de ça. Donc faut savoir tout d'abord que au début, quand j'ai commencé sur la PS3, j'avais un sur par exemple Black Ops 2 et Blue S3, j'avais un casque Sony PS3, spécial PS3 sans fil. C'était un casque 5.1, mais j'entendais pas vraiment beaucoup les bruits de pas. Donc c'était pour un Blue S3 ou un Black Ops 2, où personne n'entendait vraiment beaucoup les bruits de pas, c'était pas vraiment gênant. Mais quand on arrive par exemple sur un Call of Duty Ghost et qu'on a encore ce casque là, moi j'ai pensé peut-être à changer des casques. Donc au départ j'avais acheté un Triton, donc le Pro Plus, je sais pas lequel c'était le meilleur, moi j'avais acheté le Pro Plus parce que c'était un des derniers qui était, il était adapté à la PS4, parce que j'avais acheté aussi la PS4 à sortie de Call of Duty Ghost, et il s'adaptait à la PS4, donc pour ceux qui veulent en acheter un. Donc après c'était un bon casque, j'avais préféré celui-là au Triton 720+, que lui, enfin 720, je crois, je sais plus si c'est le plus ou pas, que lui était en 7.1. Donc, parce que aussi le 720 était peut-être moins récent, et l'ampli qu'on a avec était moins récent, donc on entendait moins les bruits de pas, même si on avait moins le 360, c'est-à-dire le son, si on pouvait le voir sur les côtés et tout, c'était un peu moins fiable. Mais bon, j'avais préféré ce casque-là. Mais après je me suis rendu compte que par rapport à certains joueurs, par exemple à des amis ou que je jouais avec eux, eux ils entendaient le son de beaucoup plus loin sans amplification, alors que moi j'avais amplification avec un certain casque, donc le Astro A40 par exemple, avec si vous l'utilisez avec un exemple, ou le Siberia V2 aussi qui est pas mal, mais qui est pas en 7.1, donc on y reviendra après. Donc j'avais fait un test, j'étais allé par exemple en partie privée. Par exemple on avait mis la domination dans ce rec zone, puis on s'était mis que tous les trois. Alors on avait un qui était juste là pour courir et simuler les bruits de pas d'un ennemi. Donc cette personne là on l'avait placé entre deux objets. Donc on l'avait placé par exemple, si vous voyez la carte Strike Zone en domination, je vais vous montrer. Quand vous spawnez sur la position A, vous êtes devant une sorte de grosse caisse.
Et vous êtes à gauche d'une porte qui va sur le spawn ennemi. Et donc cette porte, par exemple, on prend comme, comme objet le pilier gauche de cette porte et la caisse devant nous. Et donc on va simuler les bruits de pas quand on court de cette porte, face de ce pilier gauche à cette caisse. Et donc ça va faire une sorte d'aller-retour. Et on va lui demander de faire ça jusqu'à qu'on n'entende plus les bruits de pas. C'est-à-dire on va reculer de plus en plus de cette personne. Par exemple en montant l'escalier de A vers le mid. Et jusqu'à qu'on n'entende plus les bruits de pas, et ben on va reculer. Dès qu'on n'entend plus les bruits de pas, on s'arrête. Donc on va pouvoir voir celui qui entend le plus loin les bruits de pas sont avec le casque qu'il porte sur lui. Donc moi j'avais à ce moment là j'avais un Triton Pro Plus et lui il avait un X-Ample avec l'Astro A40, voilà. Donc j'avais commencé moi avec mon Triton et après lui il avait fait ça après. Donc moi j'étais arrivé avec amplification, alors qu'il faut savoir que la personne qui courait avait silence de mort. Donc moi avec amplification j'étais arrivé à la moitié des escaliers, j'avais pas fini de les monter. Et après, ma deuxième personne, qui a fait ça avec son Astro A40, n'avait pas amplification. Et il a réussi à monter tout en haut des escaliers. Donc c'est quand même impressionnant, sans amplification alors que moi je l'ai. Il a réussi à monter plus haut que moi, tout en haut des escaliers. Donc c'est vraiment impressionnant. Imaginez s'il aurait eu amplification, il serait peut-être monté, je sais pas, enfin tout en haut. Et en plus, peut-être arrivé dans la petite cuisine de B. Et il serait peut-être encore arrivé à entendre la personne. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc sur ce fait, j'ai décidé de m'acheter ce casque et de revendre l'autre. Donc franchement, je l'ai reçu quelques temps après. Et j'ai essayé. Et j'étais vraiment impressionné par le son de ce casque. Comme quoi le casque aussi peut faire aussi le joueur. Donc ils disent le casque et comment le son, la connexion ne font pas le joueur. Mais c'est vraiment des gros avantages qui peut vous servir par exemple pour vos déplacements, le casque. Après c'est sûr il y en a qui diront là le shoot, les déplacements et tout ça c'est le joueur, mais le casque et la connexion ça fait pas le joueur. Mais c'est quand même des gros avantages. Par exemple si vous avez une connexion vous allez voir la personne avant qu'elle vous voit, donc ça peut vous permettre de gagner des duels, vous mettrez aussi moins de balles. Puis le casque ça vous permettra aussi d'anticiper les joueurs. Par exemple, si vous l'entendez et qu'il arrive sur vous, vous avez juste à pré-shoot, c'est-à-dire à être viseur fixe sur l'endroit où vous savez qu'il va arriver. Et puis, vous pouvez gagner facilement votre duel. Donc ça joue vraiment sur des avantages. Comme aussi, on peut avoir comme avantage, si vous avez une manette burn ou une manette scuff, pour pas faire de différence, vous pouvez, par exemple, avoir plus de réflexes pour pouvoir gagner vos duels aussi. Donc tout ça peut être des avantages sur les FPS, les COD notamment, qui pourront vous faire gagner des duels et pour avoir plus facilement votre KEM. Donc voilà, donc pour revenir à ce casque, j'étais vraiment impressionné. Justement, cette KEM là, et ben je l'ai. Enfin cette double KEM là, je l'ai faite avec ce casque là. Donc ça va pas plaire à Coach UG, mais je vais vraiment anticiper les ennemis. Je sais pas, vous allez le voir pendant cette vidéo. Donc voilà, ça les aime pas quand je dis ça. Donc je vous laisse regarder. Je vais pas faire d'autres commentaires là-dessus, mais je veux vraiment les anticiper grâce à ce casque. C'est peut-être justement pour ça que j'ai fait aussi cette double KM. Donc je vais rajouter ainsi un truc peut-être que tu n'as peut-être pas aimé, c'est que j'ai fail la triple. Déjà au début je suis mort à 10 par une EI et à la fin les 10 kills qui me manquaient c'était justement avec cette EI et que je suis mort au départ. À la fin j'étais à 17, la partie c'est fini, donc voilà, c'est vraiment dommage. Donc voilà, donc le petit suicide pour tenter cette triple KM, parce que j'étais déjà à 2 là normalement. Donc voilà, je vais vraiment me dépêcher pour la faire. Donc, c'est ce qui se plaît pas à Coach UG, donc je vais raconter ce que je vais faire. Bon, désolé, je fais ce que je peux, j'essaie de caser un peu mon temps pour ce commentaire et expliquer bien tout ce que je vais faire. Donc pour parler aussi, par exemple, récemment j'ai été contacté par... la End Clan, donc c'est une ancienne team à Pops, à Geeks et tout, etc. Si vous connaissez, c'est des joueurs performants. Ils m'ont contacté pour venir, pour être recruté dans leur team. Donc ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait des teams qui s'intéressent à moi. Et justement, grâce à ce casque, donc pour revenir à ce casque, et je vais pouvoir faire plus de performances, on va dire.
Je vais pouvoir vraiment augmenter ces performances-là. Et bah, pouvoir vous upload, on va dire, presque, enfin, on va dire, presque, bah, vraiment beaucoup plus souvent des performances comme double KM et tout. Par exemple, première journée où j'ai eu ce casque, et bah, j'ai eu double KM, plus, je voulais vous dire aussi en avance, un plus de 100 kills, pas dans cette carte-là, mais dans une autre partie, j'ai fait un plus de 100 kills non support, pas en bloquant les spawns et tout, ni en spawn trappant, ni rien. Donc un plus de 100 kills, 110 kills, je vous dis d'avance, pour moi, ce sera sûrement l'une des prochaines vidéos que je vais faire, que je vais réaliser. Donc vraiment, franchement, si vous avez, vous n'êtes pas obligé non plus, ça dépend de votre budget. C'est, je vous conseille d'acheter peut-être pour commencer un Triton ou un Turtle Beach, un truc comme ça, pour pas dépenser trop d'argent. Et si vous voyez que c'est vraiment super important le son et que vous avez un budget un peu plus important, voir si vous pouvez acheter soit un Siberia V2. Bah, Siberia V2 c'est pas vraiment super cher, donc vous pouvez commencer encore avec lui, ça va. Vous allez peut-être mettre 200€ parce qu'il aura le mixant pour brancher à l'ordi. Parce que ces casques là, faut savoir que c'est normalement des casques d'ordi. Donc pour pouvoir l'adapter à la PS4, il faut un mixamp, un adaptateur. Donc le mixamp est un parfait truc. Sinon vous avez le Mix M8, un truc comme ça, qui est moins cher mais qui sera de moins bonne qualité. Donc voilà. Donc bah, pour revenir donc à cette team ou team qui veulent me recruter. Donc là aussi la comment la OPFR. Donc là c'est plutôt moi qui veux aller vers elle, vers cette team là. Mais il m'avait demandé une triple KM solo. Avant je trouvais ça vraiment impossible, mais maintenant que j'ai le casque et que je peux pouvoir anticiper les gens, je pense que je vais pouvoir la réaliser. Ou peut-être un 70 Gun Streak solo. Ça aussi c'est une des requêtes qu'ils m'ont demandé pour entrer dedans. Ou comme la AXA Clan. Donc la AXA Clan, eux ils m'ont demandé une double KM à la RX. Donc une arme vraiment très très pénible à utiliser, que je trouve. Vous allez monter par exemple facilement en hauteur quand vous allez tirer sur un gars, donc même avec la poignée, je trouve qu'entre la poignée et sans la poignée ça change rien. Donc voilà, c'est pour ça que des fois j'ai tendance à reprendre la M-Tar comme celle-là, au niveau de votre gameplay, que je vous suppose là maintenant. Donc voilà, bon bah voilà, j'ai lancé la première KVM, vous allez voir que plusieurs gens vont lancer leur KVM. Mais on va pas tous avoir le temps de lancer notre KVM, c'est pour ça que j'ai mis dans le titre 5 KVM alors qu'on était que 4, mais vous allez pas voir les 5 se lancer, la partie va se finir. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo, je vais vous dire au revoir, encore merci à Coqtudier Upload, et puis likez, partagez et mettez des commentaires sur ma vidéo. Allez, c'était Ghost Killer, bye tout le monde.